Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire célèbre ce mardi 25 avril 2017 la 10e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème choisi cette année est « En finir pour de bon avec le paludisme ». Ce thème constitue un appel à un engagement pour vaincre le paludisme qui a toujours un impact dévastateur dans le monde et notamment en Afrique, où la maladie tue chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, dans sa politique de gratuité des soins avec l'appui des partenaires, a rendu accessible à tous les moyens de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire depuis 2012. Ainsi, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention chez les femmes enceintes et les tests de diagnostic sont-ils gratuits dans toutes les formations sanitaires publiques de notre pays? Les enfants de moins de 5 ans, vivant dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé, sont pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaire dans 51 districts sanitaires. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sont distribués gratuitement aux femmes enceintes en consultation prénatale et aux enfants de moins d'un an en vaccination dans tous les centres de santé publique. Avec la distribution de plus de 13 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, ceci en 2014 et en 2015, nous avons atteint la couverture universelle avec un taux de possession des moustiquaires par les ménages de 95%. Grâce à ces interventions, la mortalité des enfants de moins de 5 ans est passée de 108 pour 1000 en 2012 à 96,2 pour 1000 en 2016. Et le nombre de cas du paludisme dans la population au général est passé de 4 708 425 en 2013 à 3 606 725 en 2016. C'est le lieu ici d'inviter la population ivoirienne à s'approprier les moyens de lutte contre le paludisme, tout ceci mis à leur disposition afin d'atteindre notre objectif qui est l'élimination du paludisme de la Côte d'Ivoire. Cela demeure, bien entendu, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire vient de soumettre une nouvelle demande de financement au Fonds mondial couvrant la période de 2018-2020 pour la mise à échelle de toutes les interventions et le renforcement de la lutte antivectorielle par l'assainissement du cadre de vie. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique adhère totalement à la campagne Grand Ménage du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable qui, par ses actions dans l'assainissement des villes et la lutte contre l'insalubrité, permettront de détruire les lieux de reproduction des moustiques appelés gîtes larvaires. J'exhorte donc la population ivoirienne a adhéré à ce projet national car une bonne hygiène environnementale est signe d'une excellente santé. Lutter contre le paludisme, c'est aussi dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action afin d'éviter les piqûres de moustiques. C'est également se rendre rapidement dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre pour une prise en charge gratuite. J'en appelle donc au sens de la solidarité et à l'implication de tous et de toutes pour en finir avec le paludisme. Je vous remercie.